Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Avec ces paroles du psaume 41 et du psaume 16, je vous souhaite les bienvenus à ce temps de prière. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit-Saint qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et disons joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Psaumes 46 et 49. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent,
Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrai-je au jour du malheur, lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher, il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge, telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, la mort en a fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Genèse, chapitre 41, à partir du verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre Don. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. » Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tous les pays d'Égypte,
il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut de si affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Genèse 42, les versets 1 à 5. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Ici prend fin la lecture. Galates, chapitre 4, 8 à 20. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de la nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous n'avez fait aucun effort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Ici prend fin la lecture. Thank you.
Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers et frères en Christ, bonsoir. Et en cette soirée, nous avons beaucoup de lectures que le lectionnaire nous propose pour méditer la Sainte Écriture. Je voudrais vous encourager ce soir à réfléchir sur le psaume 46. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà ce psaume, ou vous pouvez même réciter ce psaume par cœur. Ce psaume nous invite à comprendre que Dieu est là, il est notre refuge, il est notre appui, il est notre secours. Mais que Dieu attend aussi que nous prenions une pause, afin que il puisse, lui, venir consumer toute chose qui ne vient pas de lui en nous et nous donner ce que nous avons besoin. Quelque temps de cela, au début de temps de carême, quelqu'un m'avait partagé ce psaume en me rappelant que Dieu est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui. Et ce verset 2, donc, depuis ce jour, est resté avec moi. Le temps de carême nous est donné comme un temps de pause. Comme on le dit en anglais, Be still and know that I am God. Ce temps de carême nous appelle à nous arrêter, comme ce psaume nous enjoint de faire, et de reconnaître Dieu dans notre vie, de lui donner la place qu'il doit avoir au sein de notre vie. Ce psaume nous rappelle que Dieu, notre Père, ne demeure pas en dehors de nos problèmes. Il n'est pas loin de nos soucis. Il n'est pas quelqu'un qui lance une bouée pour venir nous secourir, mais il est comme ce sauveteur qui plonge dans cette mer déchaînée pour venir nous rescaper. Ce grand Dieu est celui qui a tout créé, qui nous a donné vie, comme il a dit à Jérémie devant cette invitation à Jérémie de le servir avant même que tu aies été conçu, je t'ai choisi.
Dieu, dans ce psaume, l'auteur nous rappelle que Dieu nous invite à vivre sous son autorité, comme Saint Paul nous l'a dit dans la lecture aux Galates, à vivre sous sa grâce, en observant ses lois, mais de demeurer sous sa grâce. Ici, ce psaume 46 nous donne trois éléments. Premièrement, il y a le fait que Dieu agit dans la nature, qui nous rappelle que Dieu agit dans notre vie, dans tout ce qui nous compose. Deuxièmement, que Dieu nous invite à faire l'expérience de sa présence lorsqu'il parle de la ville sainte au verset 5 et 6. Car Dieu, il est là dans le sanctuaire de notre vie. Et ce psaume nous fait comprendre que Dieu sera toujours là lorsque nous aurons à faire face à nos opposants. Dieu agit toujours par la nature lorsqu'il doit faire réplique aux méchants. Par exemple, lorsque nous lisons les extraits du déluge ou les différentes plaies d'Égypte. Le Seigneur les utilise aussi pour porter secours aux siens. À travers l'eau séparée en deux, nous voyons le peuple d'Israël qui puisse se sauver de l'Égypte. À travers la nature, Dieu nous donne aussi des signes de sa présence, qu'il est là. Comme le Christ lui-même le dit, les oiseaux n'ont pas de place, mais ils ont des parures, ils se nourrissent, les fleurs des champs sont comme de belles robes. Dieu très souvent utilise l'environnement qui nous entoure pour nous donner des signes de sa présence et nous inviter à nous arrêter pour contempler cette présence. Ce psaume nous rappelle aussi que Dieu exerce sa souveraineté sur notre sanctuaire. Car sous l'ancienne alliance, Jérusalem était ce sanctuaire. Mais avec la venue du Christ, comme le Christ lui-même nous le dit, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui. Et je ferai de sa maison mon sanctuaire. Et ici, en ce temps de carême, comme notre évêque nous a encouragé de le faire, de le retour vers l'essentiel, est-ce que vraiment nous développons nos vies? Nous développons des sanctuaires dans nos vies où Dieu puisse demeurer? Car sous la nouvelle alliance, le temple n'est plus à Jérusalem. Le temple est devenu notre corps, notre âme, notre esprit. Dieu veut demeurer en nous, le Christ nous dit, comme lui, il a demeuré dans le Père. Dieu veut résider en nos cœurs pour nous faire comprendre qu'il ne sera jamais loin, mais il est toujours avec nous, l'Emmanuel, le berger qui est à nos côtés. Notre Seigneur donc nous invite en cette soirée à nous arrêter, chers sœurs et frères, et à reconnaître Dieu dans nos vies. Ainsi, comme le Christ a appelé les apôtres et ses amis, nous ferons partie
de ce groupe d'amis de Dieu. Le dernier verset de ce psaume 46 nous rappelle donc ces paroles que nous avons entendues il y a quelques mois de cela, que le Christ est l'Emmanuel qui manifeste la présence de Dieu. Il est ce Dieu qui est en notre faveur, ce Dieu qui nous invite à cette nouvelle alliance éternelle, scellée par le sang de Jésus-Christ. Donc que notre prière puisse être: Père éternel, je te loue pour ta souveraineté au sein de ma vie. Je te loue parce que tu me fais reposer auprès des herbes fraîches. Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as donné ta grâce. Que nous puissions, comme saint Paul nous l'invite à faire dans sa lettre aux Philippiens, nous rabaisser au point de voir l'autre comme étant plus important que nous, et que nous puissions trouver notre réconfort en ce temps de carême, dans ces paroles, comme le psalmiste nous le dit dans le psaume premier, que nous devons méditer jour et nuit, afin d'être comme cet arbre planté auprès d'un ruisseau et portera des fruits en abondance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En tentation, mais délivre-nous.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Disons la collecte pour la paix. Ô Dieu qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard. Déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais pour toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec nous tous. Amen. Ici prend fin ce temps de la prière du soir. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons une excellente soirée et une bonne nuit dans la paix du Christ. Merci à Révérend Père Didier pour sa collaboration technique.